Salut, salut tout le monde! Comment que ça va? Est-ce que je peux décaler si je tourne un peu? Ah, c'est pas trop. Allez, ça ira. J'ai pas envie de bouger. Comment ça va tout le monde? Merci Glamsky pour le follow. Coucou à toi. Salut Varaniel, bonne série à toi. Non, c'est comme ça tout le temps, allez. Là, depuis un moment, c'est comme ça tout le temps. Depuis que je me suis équipé, en fait. Avant, c'était ou tout ou rien, maintenant, ça va, c'est entre les deux. Salut Ours des Cieux, ça va super et toi? Alors, pour ce soir, déjà, hop, pour l'instant, je coupe la caméra sur le côté. Ouais, la dernière fois, elle était... Je l'ai refaite il y a une semaine et demie. Bah, avant de partir à Limoges, je l'ai refaite. Quel œil attentif. Oh, ben, bah, merci beaucoup, Glamsky. Ben, bah, bienvenue à toi. J'espère que tu ne seras pas trop déçu de ce que tu vas voir ou... que tu apprécieras. Donc ce soir, bon, pour l'instant, j'ai pas encore prévu ce que j'allais faire. Non, je vais commencer, je vais juste faire un petit emote texte avec pas grand chose, un spray de une bombe à tag derrière. Ah, par contre, je remarque un truc que tu ne mets pas. Qu'est-ce que je mets pas? J'ai pas les derniers followers. Ça. Peut-être ça. Faudrait que je le remette, si c'est ça. C'est normalement la bande noire en haut sur ma tête. Ah ouais! Non, en ce moment je mets plus de casquette. C'est que là ce soir vraiment j'étais pas coiffé. Donc j'ai pas mis. Ça rigole à côté de moi. Bon, ça va, je suis jamais coiffé. Et j'ai pris la première qui me venait sous la main. Et la Zelda elle est derrière. Derrière, je pouvais pas la choper. Ouais, elle est dans le meuble. Ah, la prochaine fois, je la mets. Le mercredi, je la mets. Faut me demander, je t'en coste une. Ben justement, on y vient. Tu vas voir. Non, on va venir. Tiens le bonjour d'Adé. Elle te dit bonjour aussi. Donc, déjà, je me suis trompé. J'ai pas fait passer les câbles où il faut. Alors ce que je vais faire, c'est donc comme je disais sur le Discord cet après-midi, et bim, que je dis ça, je fous le lien Discord, malin, comme je disais sur le Discord aujourd'hui, ce soir, je vais pas y arriver, attendez, j'arrive pas à parler, à faire un autre truc en même temps, c'est trop compliqué. Faut réfléchir doublement. Salut Spy One. Donc comme je disais sur Discord, vu que j'arrive pas à me concentrer suffisamment quand je fais les streams et que j'ai du mal à travailler sur les emotes en étant en live, j'ai essayé pendant un certain temps de faire les croquis à l'avance et après comme ça j'étais un peu moins concentré, donc ça, déjà ça marche bien, mais le problème c'est que voilà quoi, quand les croquis sont déjà faits, c'est la moitié du travail déjà fait, donc c'est pas forcément amusant. Alors j'ai trouvé que j'allais faire autre chose. C'est Hello Duct Tape, how are you?
C'est ça, mais même en dehors des streams, hein, même en dehors des streams. Donc ce que je vais faire, c'est que on va essayer ce soir, on va voir ce que ça donne. Si ça donne bien, ben, on va essayer de faire ça à chaque fois. On va faire un giveaway. Et au lieu de travailler sur les commandes en cours et que je suis pas concentré, que je discute et tout, ben, je vais travailler pendant le stream sur l'emote qui aura été gagnée en direct. Donc comment ça va marcher? Eh bien ça va marcher. Comment ça va marcher? Ça va marcher comme ça. Voilà. Donc normalement j'étais censé lancer le giveaway avant. Alors attendez, ne tapez pas entrée, hein, je ne l'ai pas encore lancé. Non, ne tapez pas Ecstasy. Je ne l'ai pas encore lancé. Je vais le lancer, mais d'abord on en discute. Donc voilà les. Quand il y a des personnes qui arriveront, je remettrai le lien. Non, il n'y a pas de souci. Je remettrai le lien pour les conditions. Les conditions sont un peu drastiques quand même. Hein. C'est un peu cadré. Alors, en gros, c'est. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Je ne dirai pas non à partir du moment où c'est quelque chose de diffusable. Hein. Attention. Je me permets de refuser ce qui est pas correct. Mais voilà, si c'est facile, difficile, ça c'est pas un souci, je ferai tout. Enfin, j'essaierai. Par contre, l'emote, il sera fait en 1 heure. Ça sera fait en live pendant le stream et ça ne dépassera pas 1 heure. Qu'il soit terminé ou qu'il soit pas terminé, ça en restera à 1 heure. Voilà, c'est la condition. Il n'y a pas de retouche derrière, il n'y a pas de remboursement. Voilà, c'est plus pour le fun que pour avoir un gros truc, quoi. Non, yamete kudasai. Donc voilà comment ça va se passer. Franchement, ça peut être sympa. En 1 heure, après, peut-être que vous allez vous amuser à faire en sorte que j'arrive pas à le finir. C'est dégueulasse. Mais ça serait marrant. Non, on ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas parler exprès pour que je le finisse pas. Mais voilà, ça c'est l'idée. Et comme ça, ben, ça me permet de faire un stream où je dessine. Et tant pis pour les commandes, puisque de toute façon, passer 3 heures à parler ou passer 3 heures à faire du. Enfin, pas 3 heures, mais à passer le stream à faire du. Un dessin de giveaway, ben c'est pareil, je pourrais pas travailler sur les commandes. Donc autant faire un truc sympa et faire profiter un peu les personnes qui sont là. Donc je vais lancer. Alors je l'ai préparé. Je l'ai préparé, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Donc là, c'est lancé. Donc à partir de maintenant, vous pouvez taper la commande point d'exclamation Enter. Et comme ça, ben, je vous dirai. Donc Spy One, Glam Sky, Fou 051. Donc ça a marché pour vous. Il y aura juste. Ah oui, j'ai oublié. Pas besoin de faire ticket. Mais ticket, ça marche aussi d'ailleurs. Non, pas entrée, enter. Que vous tapiez enter ou ticket, les deux fonctionnent. Hein. Il y a juste un truc, c'est qu'il faudra être follow à la chaîne. Voilà, c'est tout. Et merci pour le follow, fou. Donc voilà, duct tape is registered. So, no problem. Donc ça fonctionne. Donc quand le giveaway sera terminé, donc je pense que ça sera d'ici une petite demi-heure. On va pas le faire trop tard non plus. Good evening, Fou. Hello. Thanks for the follow. If I win, I'll be so happy. It's possible that there is only 6 entrants for the moment. So. One chance for a 7. Cheesy as a registered too. Donc
À partir du moment où le giveaway est fermé, donc je lance, dès que le giveaway est fermé, je lance un compteur d'une heure, je tire le vainqueur me dit ce qu'il veut, s'il a des images, s'il y a des photos à me faire passer, je laisserai une adresse pour qu'il puisse me l'envoyer. On trouvera un moyen ou sur un hébergement d'images. Et c'est parti pour le dessin. Si la personne n'est pas là lorsque le tirage est fait, ben, on tirera une autre personne dans la liste jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui soit présente. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un gagnant. Salut Alcaz! Bienvenue à toi. Ah ouais, tu bosses pas là ce soir. C'est cool, hein, un lundi soir au calme, sans boulot. Salut Jérém. Coucou à toi. Tirage ce soir, ouais, tirage dans à peu près une demi-heure. Ça sera les giveaways, je peux pas les tirer en fin de stream, puisque je fais le dessin pendant le stream. Donc voilà, après, vous avez besoin d'être là au moment du tirage. Mais si après le tirage, une fois que vous avez gagné, si vous vous barrez, pas de souci. C'est uniquement être là au moment du tirage pour me dire ce que je dois faire, etc. Eh ouais, Chagota, plus du tout de boulot pour moi. Chagota. I don't understand Spanish. Oh no, not Spanish, by the way. Allez, on va commencer. Donc, j'ai vu ton travail sur Twitter, je suis admiratif. Ben, merci beaucoup. Bon, c'est modeste, hein. C'est juste 3 ans où je m'amuse à faire ça. Donc, des fois, il y a des trucs marrants qui sortent. Hier, je me suis éclaté à faire les badges sur les porgs de Star Wars et je mettrai demain, quand je mettrai le commentaire que la personne a fait, le client pour les badges porgs, le commentaire qu'il a fait, ça m'a super touché. Il a vraiment adoré quoi. Et j'étais trop content. J'essaye de me former sur le graphisme, mais c'est pas évident. Tu as dû voir mon taf passer dans ta timeline peut-être. Probablement, bah, il faudra que je regarde, il faudra que je te follow comme ça je regarderai. Tu me feras un coucou dans la timeline et si j'y pense, je te ferai un follow après. Ah ben voilà, je te vois. Hop, voilà. Je te follow comme ça je regarderai. Ben merci beaucoup Glam. Ah mais oui, Glam, ça me parle, je t'ai vu la semaine dernière. Je t'ai vu dans mes. J'avais vu quelque chose la semaine dernière. Maintenant, ça me parle. Ah, voilà, oui. Ça y est, c'est ça que j'avais vu. J'avais vu le Fortnite avec le Bambi. C'était excellent. C'était pas la semaine dernière, c'était un peu plus tôt, un peu plus loin. How many people now are 8? 8? Yes, 8 people. Allez, on va attaquer. Donc, j'ai un petit emote texte à faire. Donc, ça fera parfait. Une fois que l'emote texte là, il sera terminé. Enfin, texte, il est un peu plus avancé que du texte. Hein. C'est du texte et un peu de dessin derrière. Ben, justement, Glam Sky, hein, c'est une bombe de tag. Enfin, non, quoique. Toi, tu fais pas du graphe, mais je sais pas pourquoi, il y a de la bombe. Le fond de ton Fortnite, il y avait de la bombe ou il n'y avait pas de bombe? On dirait que c'était fait à la bombe, le fond. Bon, fait. Ah, tu as fait du graph pendant 10 ans. Wow, la classe. Bon, ben, on va partir sur autre chose. Hein. Je vais pas faire ça s'il y a Glam qui regarde. Non, c'est pas. Là, c'est juste un petit emote texte et juste une tache de peinture derrière et une bombe de peinture. Bon, voilà, c'est assez simple ce qui m'a été demandé. Alors, hop, je réorganise mes écrans. Je vais récupérer le nom du streamer pour préparer mes fichiers. Hop, The Bunk. Et il faut Bunk Hype. Ok. Donc on va commencer par le texte. Alors je sauvegarde. Je
commence toujours par faire ma sauvegarde. J'avais déjà travaillé pour lui. Ah ouais, j'y avais déjà fait quelque chose. Alors comme je nomme mes répertoires par le nom du client, ben forcément quand il s'avère que je leur ai déjà fait quelque chose, je les vois apparaître. Salut à toi Mr. Valkins. Hop, je remets pour toi le fait qu'il y a un giveaway qui est en route pour gagner un emote. Donc n'hésite pas à participer. C'est ouvert à tout le monde, il suffit juste d'être follow sur la chaîne. Pastel sèche le fond, d'accord. Ah, c'est ma soeur qui avait fait de pastel sec. Mais il y a des années. Alors, Bunk Hype. Et je vais juste ouvrir, voir ce que je lui avais fait. Ok. Non, ça c'est celui que je suis en train de faire. Ça suffit, hein. Hop, il est là. Donc ça, c'est ce que j'y avais fait pour le premier emote. Je vais me le mettre de côté. Oh, c'est un vieux, ça. Et donc là, on va travailler sur le Bunk Hype. Donc on va partir sur des couleurs orangées. Il m'a demandé de partir sur une teinte orange pour le texte, et il m'a demandé la couleur que je voulais pour le fond. Moi j'aime bien le vert. Le vert, ça va bien avec le... ça fait un joli contraste avec l'orange, donc je vais faire... je vais faire en vert. À moi la momotte. Mais attention, hein, ce sera pas un Picasso là. Hein. Alors, hop. Bon là c'est que du texte, là, ça va pas être bien intéressant. Juste le temps que le giveaway se finisse. Juste le temps qu'il y ait un peu plus de participants. Salut à toi, Killer. Je suis sur quel logiciel? Je suis... Hop. Je te mets le lien. Et il s'est mis deux fois, ça arrive. Ou alors ça vient... C'est souvent ce bouton qui se met deux fois. Je me demande si c'est pas le Stream Deck qui déconne des fois. Bon, bah, tu as deux fois le lien. Profite deux fois. Et oui, moi je veux bien le dire, hein. Je peux même dire en quelle résolution je travaille sur mes emotes, il n'y a aucun secret. J'ai le nez qui gratte, hein. Ah, ça m'énerve. Je t'en prie. Avec plaisir. Alors, on va juste mettre hop, une petite bordure. Faire un léger contour vert pour rappeler ce que je vais faire après. Alors je travaille toujours, pratiquement toujours les textes de la même façon, c'est un peu une signature, je fais toujours mes textes comme ça. Des fois un peu plus travaillé, des fois un peu moins travaillé, mais je pars toujours à peu près sur la même technique. Sauf quand il y a des demandes spécifique ou par rapport à la demande, c'est clair qu'il faut que je fasse d'autres choses, comme quand j'ai des commandes de un peu rétro ou là je travaille différemment. Mais voilà.
Alors, vu que c'est samedi à 18h, je serai là. Ah, bah, c'est super sympa. Bah, il n'y a pas de souci, hein. Que tu sois en retard, en avance, il n'y a pas de problème, c'est gentil. Après, ça va être surtout pour pas que les personnes se fassent ban, mais il n'y a personne qui va se faire ban. Les personnes qui viennent sur ce stream, ça se passe tellement toujours bien. Même quand on est monté à 2540 viewers, il n'y a pas eu besoin de faire un seul TO. Ouais, ça arrive. C'est arrivé la dernière fois, j'ai banni une personne, quoi. J'ai banni une personne parce qu'elle a joué avec le feu et elle va avoir des gros problèmes. Elle a partagé un lien pour une campagne litchi qu'elle a créée pour une fausse campagne copiée sur une autre campagne, qui était une campagne qui était pour payer un abri pour les re chiens retraités gendarmes. Donc pas de bol quoi. Et là derrière, bah, il a la police maintenant sur le dos. Et a priori, c'était un très jeune. Malheureusement, une fois que c'était lancé, on ne pouvait plus l'arrêter quoi. Jeune ou pas jeune, donc à mon avis, vu son âge, à mon avis, il craint pas grand-chose, mais je pense que les parents vont lui souffler un peu dans les branches. Ben, merci beaucoup, Glumsky, c'est gentil. Et du coup, le partenariat, tu l'as eu ou pas? Non, évidemment, ils ont pas voulu me donner le partenariat. C'est des beaux dessins pour qui? Alors là, le bunk hype qu'on essaye de faire, qu'on est en train de commencer à faire en attendant le tirage du giveaway, c'est pour un streamer. Il est doux ce streamer. Il est doux. On va regarder d'où qu'il est. J'aime bien voir d'où sont les gens. Canada. Donc c'est pour un Canadien. Et l'emote en haut à gauche, c'est un emote que j'avais fait. Bah c'est l'emote French Monster de Gotaga. Et comme la France est championne du monde, comme ça me fait un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Hein. Allez, je retourne au dessin. Vous voyez, même un emote texte, je ne suis pas assez concentré pour le faire. Hein. Donc c'est pour ça. Je pense que l'idée du giveaway, c'est une très bonne idée. Ça permettra. Waouh! Ça a mis trois fois le. Je suis désolé pour le spam. Hein. C'est des fois c'est le stream deck et il part en live. Hein. Je suis vraiment désolé. Donc l'idée du giveaway, ouais, ça permettra de faire des streams dessins, mais sans me prendre la tête sur les commandes en cours, quoi. Bonsoir, Miss Julie. Coucou, c'est Miss Julie de Discord. Ou pas. Et oui, c'est une tablette Wacom. Bah, les tablettes Wacom, j'en ai trois. J'ai tous les modèles, quoi. J'ai une screen display, donc comme celle-là. D'ailleurs, je vais remettre la caméra maintenant. Tout à l'heure, je pouvais pas. Parce que j'avais des écrans. Hop. Donc celle-là, c'est une screen display où on voit sur quoi on dessine. J'en ai une, j'ai une Intuos qui est à côté de l'écran, donc. Et j'ai une Studio Mobile Pro pour quand je me déplace. Et merci pour le follow, Miss Julie. Coucou à toi. Alors, je vais refaire un point sur le giveaway qui est en cours. On a qui? On a Monsieur Valkins, c'est le dernier qui a participé. Donc on a 9 participants. Je vous rappelle, hein, il y a un emote à gagner que je ferai donc en live. Et pour ça, voilà, il n'y a qu'à taper Enter. Et il faudra juste être là au moment du tirage. Après, si vous n'êtes plus là quand l'emote est terminé, ça c'est pas bien grave, mais être là au moment du tirage pour me dire ce qu'il faudra faire. Donc, hop,
on va en finir pour le texte, c'est bon. Je vais juste un peu le déformer. Après, il faudra qu'il soit un peu plus petit. S'il faut quand même garder la place pour faire la bombe. On va le passer par-dessus. Ah ben ça c'est que du texte avec Glam Sky. Après ça fait tellement 3 ans que j'en fais, c'est presque devenu machinal pour ça. C'est vrai que j'y réfléchis plus trop quoi. Salut RZ Digital, hello, how are you? If you're not French. J'aimerais trop, mais si je perds, c'est pas grave, je te demanderai pour mes badges. Le graphiste que j'ai d'habitude n'arrive pas à me les faire. Ah, bah tu me diras ça, pas de souci. Alors, hop, ça on va le garder juste derrière. Je vais dessiner la petite bombe de peinture. Alors, c'est un emote texte, hein, donc un emote texte avec option pour avoir quand même un peu de dessin. Et voilà, la bombe, elle va pas être trop travaillée. Hop. Alors, on va faire un truc un peu comme ça. Oui, j'ai rajouté les badges affiliés, ça fait 3 mois qu'on me tanne avec ça. Non, pas 3 mois, mais plus de 3 semaines, ça c'est sûr. À TFR, bon, ça va. C'est des. Je sais jamais quoi. Alors, dans le doute. Non, voilà, j'ai rajouté les badges. Ouais, les badges, ça sera fin juillet pour les affiliés. Pas si je fais le. Alors attendez, hop, je vire. Ben non, je suis bête. Pourquoi je pousse la caméra? Je pousse la caméra parce que j'ai pas bien réglé mes fenêtres. Hop. Donc je vais couper la caméra. Voilà. Alors non, je décalerai sur Discord. Quand il sera OK, tu me montreras. C'est trop bien ce qu'il faut. Ah, c'est trop bien ce qu'il fait. D'accord, tu parlais pour le site de RZ Digital. Ça va, j'arrive à comprendre. Et du coup, oui, c'est moi Discord. Ah, ça va. Alors, au fait, dame, il va falloir que je change mon fauteuil gaming. Pas mal ça. Et il faudra aussi que tu mettes tes emotes. En plus, il y en a un qui est fait, que je t'ai jamais envoyé, mais il est fait. Donc, pour l'instant, il y en a 2 sur les 3, sauf que le premier, il faut le refaire. Donc, au final, tu n'as qu'un emote, mais tu l'as pas encore. Il faut que je te fasse passer ça. Allez, je vais. Alors, je voulais revoir l'intitulé de la commande. Alors, font can be random of choice of your fav. Yes. Colors, I wouldn't mind some orange and black. Ça, c'est fait. Or just green and white. Ben, le green, il y en aura. And the spray plant splash. Ah ouais. Pas besoin de faire le. Hop. On fait juste la tache de peinture en arrière-plan. Hop. Alors, il n'envoie pas les emotes. Ouais. Alors, tu as quelques minutes en vocal? Non, je fais jamais de vocal par contre. Hein. Je fais uniquement de. Je fais même pas de chat en direct. Hein. Malheureusement, j'ai. Vu le nombre de commandes que je reçois par jour,
ça serait totalement impossible. Donc non, je ne fais pas de vocal, je suis désolé. Alors ouais, ça je peux le laisser. Bon, la tâche de peinture, elle va être à... relativement simple. On va croire que c'est une tache de sang, heureusement que je le fais pas en rouge. Voilà, quelque chose comme ça, pas compliqué. Ah oui, j'ai bien compris RZ. Mais même pro, c'est totalement impossible pour moi. Comme je dis, j'ai peut-être une douzaine de contacts par jour. Alors ça va, heureusement, c'est pas 12 commandes par jour, mais une douzaine de contacts par jour. Je passe entre 1 et 2 heures par jour, rien que à répondre aux messages par écrit. Donc si je calais en plus du vocal derrière, ça serait totalement impossible. Hein. Après, n'hésite pas quand même à me dire, à me contacter via Twitter, via Discord. Tiens, je mets le Twitter si tu ne l'as pas. En m'envoyant un message. Après, si vraiment il y a besoin derrière ou qu'on ne peut pas faire différemment, je peux envisager un vocal, mais les chances sont hyper faibles. Alors, je vais faire ma tâche de peinture d'abord. Oui, après mail, Twitter, je réponds rapidement. Ouais. Mais c'est clair, c'est carrément clair, Derwen. Alors que bon. Même au boulot, c'est dur en vocal de m'avoir. Ah mince. Et ouais, je l'éteins. Alors, je l'éteins pour une bonne raison, c'est parce que sur cet écran, des fois, je m'ouvre des fenêtres et il y a des choses qu'il ne faut pas que je montre. Et le problème, c'est qu'après, j'oublie de la remettre des fois. Bon, c'est un peu zoomé sévère là, quand même. Pour la prochaine fois, ça sera un peu dézoomé. Désolé. Je t'en prie, Luca, pas de soucis. Au contraire, merci de m'avoir prévenu. Oh, tu sais, une Wacom, ça se teste pas. Hein. Une Wacom, ça se savoure. Hein. Il s'appelle Bunk. Hop, on mettra un B dessus. Ouais, tout est noir. Bah, c'est une Intuos, sûrement. C'est très probablement une Intuos. Je connais beaucoup de dessinateurs qui sont un million de fois meilleurs que moi et qui utilisent ça professionnellement. Donc,
C'est juste un choix de confort d'être sur une tablette comme la tienne ou une tablette avec écran. C'est pas une tablette avec écran comme ça qui va permettre de qui est plus, meilleur que l'autre. Les deux sont pour des sensibilités différentes. Hello Joker, how are you? You're welcome, no problem. There is a giveaway running actually, so if you want to win another emote, it's possible. You have just to participate. And I choose a winner in 50 minutes, around 50 minutes. 15! 15 minutes! Not 50, 15. Lol. Tu peux me conseiller une tablette graphique pour un début? Ben, pour un budget serré, je t'invite à regarder vers les Huion. Ça te permettra d'avoir un grand format pour pas trop cher. En format, ouais, avoir un format assez grand, c'est toujours plus agréable. Salut Razi! Alors, je vais finir celui-ci et après on fait le tirage et on va voir. Réfléchissez déjà à ce que vous allez demander. Parce que ça va aller très vite. Une heure, ça passe à une vitesse folle. Surtout quand on passe son temps à parler. Merci pour le follow, Miss Poulpi. Bienvenue à toi. Salut X, comment vas-tu? Bon X, demain je m'occupe de toi. Je réponds à ton mail, on voit pour les sources, on fait tous les points. Et voilà. Pas au-delà de 100 euros? Ah ben 100, je crois que pour 100 euros, tu es obligé de taper sur du Ion. Voilà. Pour 100 euros, tu es obligé de taper sur du Ion. C'est pas du sous-produit, hein, c'est juste que c'est pas du Wacom. Voilà. Mais c'est pas du sous-produit. Donc, en 8 ions pour 100 euros, tu trouveras des tablettes, pas comme celle que j'ai, mais ouais, tu trouveras des tablettes. Bah, Wacom, je l'ai payé 50. Bah, c'est les soldes, et je sais qu'aujourd'hui, c'est encore le Prime. Il y a le Prime Day là jusqu'à ce soir sur Amazon. Peut-être à regarder là. Il y a des tarif un peu. Il y a du moins 50% là sur Amazon. Ils font leur Prime Day semestriel. Voilà, 36 heures. Alors la bombe de peinture, hop, elle est faite. Elle va être en tout petit, quoi. J'ai passé un temps pour tellement pas grand-chose. Et on va faire la tâche de peinture. Hop. Donc on a dit en vert, un joli vert
bien, bien vif. Je rajoute mes petits reflets, enfin mes ombres. Coucou Lily, bienvenue à toi. Lol Spy, désolé. Voilà. J'ai encore foutu la. Salut aux arrivants. Ah si, moi ça me fait rire. Si un jour, le jour où je suis partenaire, faudra que je contacterai Wion. Wacom, c'est même pas la peine, faut être trop gros. Mais je contacterai Wion quand même. Si un jour j'arrive à avoir des tablettes à faire gagner, ça serait trop le cœur. Salut à toi Ben Beno, coucou Luna. Alors je vous remets, pouf, il y a un giveaway qui est en cours, je vous remets le lien, n'hésitez pas à participer. Il n'y a pas de bonus sub, hein. Tout le monde a les mêmes chances de gagner, il faut juste être follow. Voilà, et encore, je vais pas aller vérifier derrière, hein. je demande juste, mais je vais pas aller faire la police derrière en plus. Et le tirage, c'est dans même pas une dizaine de minutes. Oh, ça va. Si tu gagnes, tu pourras savoir avant d'aller faire dodo. C'est même pas 10 minutes. Je termine cette emote et on fait le tirage. Bah, pas un code promo. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose sans obligation d'achat derrière. Donc vraiment, c'est un giveaway gratuit et qui est fait en live. Donc voilà, l'idée c'est de le faire en live. Je vais rajouter juste... Hop. Bon, est-ce que j'ai fait de la peinture là ou est-ce que j'ai fait du slime au final? Bonne question. Faut faire quoi pour participer? Juste taper point d'exclamation enter comme elle a fait Luna et être follow la chaîne, c'est tout. Mais par contre, commencez déjà à réfléchir à ce que vous voudrez, parce que je vous remets encore un coup le lien. À cette adresse, si vous voulez regarder, il y a les règles. Enfin, les règles du jeu, quoi, en gros. Il y a les conditions, les termes et conditions où ça vous dit un peu comment ça va se dérouler. Ça va juste se dérouler rapidement. C'est le dessin sera fait en une heure, en fait. Si je gagne, moi, je veux des temps spectaculaires. Je vais faire chiche. Mais la totale, alors, hein, je fais pas que des tentacules. Hein. Ok, hop, allez, on va le terminer. On va, hop, diminuer la taille de la bombe, je pense. Et, hop, je ramène le texte. Ouais, ça va bien passer comme ça. Bon, la bombe, elle est... Elle va être en tout petit, hein, mais... Voilà, et je vais en rajouter un derrière avec un contour blanc. Pour le dark mode. Je vais fermer ces exports maintenant.
Merci Lucas pour le follow. Ça risque d'être chaud à négocier avec lui. Oh, pas sûr, pas sûr. Wacom faisait du partenariat à une époque. Et je sais que Lyon fait pas mal de partenariats, mais il faut être gros, quoi. D'ici un an, peut-être. Mais ça serait un bel objectif, quoi. Si on achète une Lyon, faut prendre quel logiciel? Tous les logiciels majeurs de dessin sont. Oswix, je pense que tu es déjà inscrit. Je vérifie. Ouais, Swix, c'est bon, tu es déjà dans la liste. Hey, mais vous êtes nombreux là, il y a 16 participants maintenant. Donc je vais faire hop mes exports et on va s'occuper tout de suite de l'imote à faire. Je garde de côté comme ça, je l'enverrai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? T'en as un conseil gratuit? Oui, Krita. Krita, Krita, Krita. En gratuit, Krita. Krita. Voilà. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à chercher. C'est tellement complet, c'est tellement bien fait, c'est tellement open source. Mais c'est tellement à des années-lumière de GIMP. Coucou X! Ou celui que j'utilise, Clip Studio, qui est souvent et je crois même que des fois il tombe à 29. Hein. Quand il est soldé, il tombe très 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 bas. Ouais. Et voilà. Mais Krita, quand on veut se faire déjà. Y a, de toute façon, Krita, si tu commences avec, tu peux même faire toute ta carrière dessus, parce qu'il y a tout dedans, quoi. Mais bon, après, voilà, tu as d'autres logiciels payants, mais Krita, c'est un bon début. Allez, hop. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est. Il y a 17h30, donc merci beaucoup à tous les participants. Je mets le lien. Hop, une toute dernière fois pour ceux qui n'ont pas encore participé. N'hésitez pas à participer. On va fermer le giveaway là dans quelques minutes. Donc je vous rappelle, bon, pour cette première fois, je ne vais pas lancer le compte à rebours immédiatement dès que la personne sera sélectionnée. On va prendre juste le temps que la personne me dise ce qu'elle veut. Si nécessaire, s'il y a des photos à me faire parvenir. Ah mince, le permis qui marche pas. Faut que je vais foutre un permis à quelqu'un. Juste, il marchait pas hier, la dernière fois, ce week-end, vendredi. Ah oui, non, ça va, c'est bon. Le permis, il marche aujourd'hui. Donc, s'il y a besoin d'un permis, mais c'est bon, je vérifiais si le permis, il fonctionnait. Ça va, il fonctionne. Sans espace, le Enter. C'est point d'exclamation Enter tout attaché. AD, AD, AD. AD. Donc, s'il y a des photos, pensez à les héberger, vous me passerez le lien. S'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de souci. Oh, je suis sûr que ça existe, tentacule.fr. Maintenant, tu assumes. On sait que c'est dans tes favoris. Allez, bon, on va donc faire le tirage. Alors c'est un tirage qui est fait sur Stream Element, donc dès que je vais faire le tirage, ça va apparaître dans le chat. Je le laisse quand même apparent sur la petite cam ici, mais on verra pas grand-chose. Alors je ferme le giveaway. Nous avons 21 participants. Donc le giveaway est fermé. Attention, on va tirer le vainqueur. Ah.
C'est autant stressant quand on participe que quand on le tire. Allez, c'est parti. Draw a winner. Et le gagnant est. Ben, c'est Fou. Fou. Qui a follow tout à l'heure. Ben, félicitations, Fou. 4,76% de chance. C'était pas énorme quand même. Et donc, Fou, ben, félicitations à toi. Il va donc falloir maintenant ben, te manifester et nous dire ce qu'il te faut comme un emote. Après, moi, je dis emote, tu peux l'utiliser derrière pour ce que tu veux, même sur une photo de profil, il n'y a pas de souci. Mais il faut être là et il faut répondre. Donc on va attendre, hein, on va attendre pas très longtemps non plus. Mais si Fou est parti, ah ben d'ailleurs, est-ce que Fou est toujours dans le stream? Est-ce que Fou est toujours sur le chat, je veux dire? Et Fou n'est plus là. Ah, ça c'est ballot ça. Eh ouais, Fou n'est plus là. Bon, ben on va refaire un autre tirage. Donc, nouveau tirage. Il n'y a pas besoin de de reparticiper. Je fais une relance. Attention, c'est parti. Et le vainqueur est Isatank. Ah ben voilà, ils attendent qu'elle est là. Alors, je vais juste remettre mes fenêtres. Donc ce coup-ci, on a quelqu'un qui a gagné et qui est là. C'est déjà un progrès. Hop. Alors par contre, ce que je vais essayer de faire, donc on va voir ce soir comment ça fonctionne. Hein. Enfin, si ça marche bien, si ça se passe bien. L'idée c'est de faire ça à chaque fois parce que l'idée c'est de faire que du stream de dessin. Mon but c'est pas de faire du gaming sur la chaîne. Et autant que ça serve, donc c'est soit je travaille sur les commandes ou soit je travaille sur les giveaways. Donc on va essayer de faire ça le plus souvent possible. Mon avis, si ça se passe bien, normalement on devrait pouvoir faire ça à chaque fois. Alors, Isatank. Je t'invite à m'indiquer ce dont tu as besoin. Donc connais le name sur WoW, bah, je vais le découvrir. Du WoW, bah, c'est bien, c'est pile d'actualité. Le name sur WoW. Faut juste être follow ou il faut être sub? Bah, je demande à ce qu'on soit follow. Après, si la personne n'est pas follow, je vais pas faire la police derrière, quoi. Mais par contre, non, je ne pose pas le sub, absolument pas. Juste follow. Voilà, je demande pas grand-chose. Mais je n'impose pas non plus. Mais bonne nuit, Lucas. Et à la prochaine. De toute façon, le prochain stream, ça sera mercredi. Donc si ça se passe bien, on refait la même chose mercredi, etc. Alors, les naines, c'est une race trop choupie. Faut que je t'envoie une image. Ah non, en plus, si c'est choupie, c'est excellent, quoi. Non, non, je vais regarder. Je vais regarder. Ah oui, tu peux participer, Killer. Bah, si tu es là sur le prochain stream, tu verras, il y a juste à taper Enter quand le giveaway est lancé. Il est lancé à peu près pendant une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, j'ai fait le tirage. Et où le chien? Alors attendez, faut que je regarde.
Hop. Ce que je vais devoir dessiner. Parce que bon, faut que je lance le compteur après. Comment ça s'écrit Nens? Tu es sûr que bah, ça me sort du nain? C'est ça? C'est un truc comme ça? Ils attendent que... Ou pas? Ça, c'est une nomette. Ah ouais, non. Trouvez-moi les naines. Trouvez-moi un lien. Si tu as un lien, tu me dis, on te fait un permis, ils attendent. Pourquoi bah, je trouve pas naine Allez, je trouve les naines, les madame naines. Mais... Yes, the tape is a tank as one. C'est comme un nain mais sans la barbe. Ah, Razi a trouvé. Non, bah, Razi, sérieux. C'est non mais sérieux quoi. Dehors. Un truc comme ça, c'est ça une naine? Et ça c'est une naine, mais sans la barbe, donc c'est pas une naine non plus. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pas choupi ça, ça va être compliqué quoi. Ça a même pas les oreilles pointues. Vas-y. Donc, ouais, je préfère les gnomettes alors. Allez. Donc, on va partir là-dessus. Donc, des préférences, couleur des cheveux, une pose, une attitude. On garde les couettes. Les couettes, c'est bien quand même. Je pense qu'on va garder les couettes. On va garder les couettes, on va. Le piercing aussi, ça a l'air bien. Ah, super, merci Adé. On n'est pas loin de tes tentacules, hein. On va devoir les sortir, là, les tentacules. Allez, rousse avec Isa en texte si possible. Ah bah c'est parti, on va faire comme ça. Et le reste, je le fais comme je le sens. Ça marche. Bon, on va essayer de faire quelque chose qui tient en une heure. Alors, normalement, bim. Attention. Donc c'est parti pour une heure. Et dans une heure, on entendra à nouveau cette petite sonnerie qui nous dira les 5 dernières secondes quand on arrive à la fin du compte à rebours. Donc c'est parti. Il faut pas fail. Alors, hop. Je commence par préparer la sauvegarde. Alors après, je le rush pas non plus, hein. Je travaille comme d'habitude. Normalement, ça va passer en une heure. Hein. Et ça te servira de logo, bah, pas de souci. Bon, le dessin, il est délivré en petit format, mais il passe très très bien en logo de chaîne
pour Juchen, Twitch, il passe très très bien. Il y en a beaucoup qui utilisent les emotes. Ce qu'il y a, c'est que je travaille en 300 dpi, donc même si je livre en 112 par 112 dans la plus grande taille, comme c'est du 300 dpi, en général, c'est comme si c'était du 300 par 300. Hey, coucou Lilia, bienvenue à toi, merci pour le follow sur Twitter, je crois que c'est toi, donc merci. Alors, on va réfléchir. Bon, il faudra faire quand même le soutien-gorge. Hein. Je suppose. Parce qu'elles ont toutes le même, donc c'est un point de... C'est un point de repère assez bien. Moi j'aime bien les couettes, je fais avec les couettes quand même, hein. Ou pas. Ouais, avec les couettes, allez. Faire un grand mais. Tu me suis depuis un moment. Ah mince, désolé, c'est pas toi. Ah mais non, mais c'est Lilia. Bah, j'avais pas compris que c'était Lilia. Ben oui, Lilia, je te connais depuis Bourri. Non mais il y a une Lilia qui m'a follow sur Twitter aujourd'hui. C'est pour ça que je pensais que c'était peut-être toi. Merci pour le follow, Reddington. Hello. Comme le temps passe vite, déjà 4 minutes. Hein. Après aujourd'hui, c'est la première. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on essaye ça. On va voir si ça passe. Hein. Une heure pour faire un dessin, ça veut dire que le croquis doit être fini dans la première demi-heure. Si en une demi-heure le croquis n'est pas terminé, on est mal. Oh, elle était bien celle-là. Je valide, allez, je valide. Celle-là, elle était bien. Je l'ai baissé un peu. Les yeux, le nez, la bouche. Je les ai placés un peu trop haut. Descendre un peu tout ça. Les sourcils qui passent par-dessus les cheveux, c'est très important. Au revoir Xeltian. Adieu. Attention par contre, je préviens. Les modérateurs sur cette chaîne sont aussi gentils que moi. Ils connaissent pas le Théo, c'est le ban direct. Donc, quand ça troll... L'idée, c'est pas combien de temps vous allez être Théo, non. L'idée, c'est au bout de combien de temps vous allez être ban. Donc voilà, vous êtes préviendus.
Ah, mais pour moi, c'était un ban, hein, Pouix. Pour moi, c'était un ban aussi. Là. Moi, j'ai pas la patience. Il y en a qui ont vraiment la patience. Oui, voilà, Théo. Bah, de toute façon, pour dire des trucs comme ça, on peut s'en passer, hein. Bon, après, faut juste faire attention à pas ban n'importe quoi, parce que un ban, ça peut se contester. C'est pas parce qu'on est ban sur une chaîne qu'on l'est obligatoirement. On peut contester un ban. Donc les bans à tort et à travers sont quand même à éviter, mais là on n'est pas sur un stream interdit au 18+, donc des trucs comme ça dégage direct. Non, Jackie, il y a façon et façon, mais après, faut pas non plus trop chatouiller. Ah, mais en fait, c'est exprès. En fait, vous essayez de me déconcentrer, de me faire perdre du temps pour qu'elle ait pas le dessin. J'y ai fait un peu haut la poitrine quand même. On peut la descendre, hein. Disons, je compresse un peu l'ensemble pour faire tenir le tout dans l'espace de travail limité qu'est Animote. Mais bon, faut pas abuser non plus, quoi. Alors en plus, on va réduire un peu après parce que il y aura le nom Yaïsa à rajouter après. Euh, 2005, je crois. Je fais. Pourquoi? Il y a la qualité là, normalement. Ah! Eh ben, on a un nouveau vainqueur alors. Au revoir! Oh putain. Ah, on s'amuse, on s'amuse. Merci Razi. Oh, il y en a pour tout le monde ce soir, c'est cool. Salut à toi Redemption. Redemption. Alors, Aderwan Engineer, dev informatique et Epitech Paris. Ça va, rien que ça. Mais j'ai beaucoup de contraintes qui font que j'ajoute beaucoup de temps, notamment le fait que j'habite loin. Ouais. Ben, là, on a eu plus de gens bizarres en une soirée qu'en un an de stream presque. Et voilà, faut bien savoir une chose, c'est que dès qu'il y a un giveaway, je sais même pas si c'est dans le titre. Non, je l'ai surtout pas mis. J'ai même pas changé le titre. Le titre du stream, c'est toujours Retour des streams le 13 juillet. Je suis pas mal, quoi. Donc ouais, dès qu'on met giveaway quelque part dans le titre, ça ramène beaucoup de personnes qui sont sympas quand elles arrivent et qui sont très désagréables quand elles sont perdues. Mais là, il n'y a même pas giveaway dans le titre. Et il n'y aura jamais giveaway dans le titre d'ailleurs. Je te remercie, Reddington. Merci beaucoup. Ah ben, félicitations, Lilia. Coucou à toi, Misarel. Hello. Alors je la fais un peu grassouillette quand même. Ah, c'est dommage. Pas beaucoup de place. Bon, je fais un peu les doigts, mais
On verra pas beaucoup plus. Ça va rester comme ça. Ah, ça arrive, X. Mais c'est rigolo, comme ça, on peut s'amuser un peu, quoi. Enfin, non. Enfin, oui, un peu. Voilà. Il y en a qui s'amusent beaucoup. Il y en a qui prennent le temps d'expliquer les choses. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai pas le temps d'expliquer. Je suis pas gentil. Hein. Je suis vraiment pas gentil. Alors, hop. Je vais rouvrir mes porgs d'hier. Pas pour vous montrer les porgs, mais pour récupérer mon set de calques. Mais en même temps, je vais vous remontrer les porgs parce que j'ai trop kiffé les faire. Donc ça, c'est pas les porgs. Mais ils sont où? Je retrouve. Hop. Ça, c'est les petits badges que j'ai fait hier pour un streamer qui a demandé des porgs. Hey, coucou Mata, comment vas-tu? Alors, je vais répondre à Misarel. Bon, bah, ça part bien pour Isa, ça va. Ça va super, champion du monde. Alors, le compteur, c'est parce que ce soir, on a fait un giveaway. Il y avait un dessin à gagner, à réaliser en direct. C'est le dessin sur lequel je suis en train de travailler. Et l'idée, donc, c'est que les giveaways, donc, je vais en faire tout à chaque stream. Après, je vais essayer d'en faire à chaque stream. On verra s'il n'y a pas de... si j'ai pas de retard. Et donc, à partir du moment où l'emote est gagné, où le giveaway est... on a le vainqueur du giveaway, ben, il y a le compteur qui est lancé et le dessin est réalisé en une heure. Donc j'ai une heure pour réaliser le... Coucou à toi, Naoshi. Une heure pour réaliser le dessin de notre ami Isatank qui est gagné tout à l'heure. Et oui, Killer, c'est un pack de badges sub qui a été commandé. Regarde. Et je me suis régalé à les faire. J'étais super content, quoi. C'était une personne qui avait... La personne qui m'a commandé ces badges, c'est la personne qui m'avait déjà commandé un porg. Le porg qu'on a sur ma chaîne YouTube. Hop, le lien, c'est ça. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo du porg que j'avais fait pour lui. Et ben là, il m'a commandé des badges. Je me suis amusé. Allez, on va passer... Hop, à l'ancrage. Donc ça va, il sera fini à temps. Il y aura même le temps de rajouter le texte. Sauf si quelqu'un réussit à m'envoyer sur une discussion sans fin. Je pense que c'est meilleur la prochaine. Et si Dame DSN ne finit pas l'emote en une heure, le giveaway est perdu. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Faut quand même que je trouve quelque chose s'il n'est pas fini en une heure. Mais pas quelque chose qui me... Ben non, non, il faut... De toute façon, ouais, je sais pas, on verra. Si je le finis pas en une heure, ben la fois d'après, il n'y a pas de giveaway, voilà. Et je finis le dessin. Non, c'est trop vache, ça. Non, je relance pas. Non, mais l'idée, c'est, voilà, je me suis dit, on va pas limiter les gens à dire, voilà, tu peux demander, mais que ça. Non, non, tu demandes ce que... On peut demander ce qu'on veut. Faut juste se dire que si c'est trop compliqué, ça passera peut-être pas en une heure. Et donc, ben, voilà, ça... Après, ce que je peux faire, c'est dire, ben, rejoue, vu que je vais en faire régulièrement... Ben, si tu en gagnes un suivant,
Eh ben, au lieu d'en faire un nouveau, je te finis celui-là. Ça peut être une chose. Ça peut être une idée. Que bon, si j'en fais deux ou trois par semaine, j'en fais beaucoup par mois, quoi. Alors, qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? C'est l'œuf qui est venu en premier. On parle à l'état cellulaire, ben, c'est l'œuf. Donc, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas à philosopher dessus, X, tu as échoué. Alors la France aurait gagné plus facilement avec Benzema. Ben, je pense que si en équipe de France, moi si j'avais été sélectionneur, oui j'aurais pris Benzema, Ben Arfa, Anelka, Valbuena, enfin tous les noms en A. Par contre, est-ce que j'aurais pris Franck Ribéry? Il est en I quoi, alors ça m'embête un peu quoi. Ouais, c'est chaud. S'il gagne plus, mais c'est pour ça, il faut quand même. Quand la personne me demande si vraiment c'est trop exagéré, je lui dis ça passera pas en une heure. Hello Royal, how are you? Nice to see you here tonight. Ah, c'est la personne qui choisit. Ah oui, la personne, Matt, la personne choisit complètement ce qu'elle veut, quoi. Elle me dit ce qu'elle veut et je lui fais ce qu'elle veut. Hein. Elle m'aurait demandé un angle de pied incarné, j'aurais fait un angle de pied incarné. J'en ai fait un hier presque. Donc, Non, l'emote d'hier, hier j'ai fait un angle de pied vraiment dégueulasse. Mais le plus dégueulasse, c'était quand même que la personne m'a envoyé des photos en exemple, quoi. C'était... Ok. Et il était content, hein. Ah, il était content de son ongle. C'est exactement ce qu'il voulait. J'étais content, moi. Comme ça, j'avais pas rebossé dessus, j'avais plus à le voir. Dude, how are you? Stupid question. Viva la France. Thank you, yes. Si je gagne, tu feras des nudes de ce mois du coup, lol. Le truc, c'est que maintenant qu'on a gagné la Coupe du Monde, faut pas oublier que dans 4 ans, on sort pas des poules. Puisque la malédiction du... There's a curse with the world champion, and when you are world champion, world soccer world champion. Désolé pour l'ordre. Hein. The next time you, ah puis j'ai pas envie de parler, j'arrive pas. Voilà. Mais t'es... One time you win, one time you lose. Voilà. Alors Dame, tu penses que tu peux mettre I Will Survive en musique de fond ou faut les droits? Non, j'ai une playlist là qui est déjà lancée, je change pas les... en cours. Donc c'est même pas une histoire de droits. Allez. Non, je fais pas de nude parce que ça passe pas sur le... Il faut que je fasse quelque chose que... éthiquement correct. Donc s'il y a des demandes qui ne me conviennent pas, parce que je trouve qu'elles sont déplacées, comme je fais pour les commandes, hein, des fois on m'a fait des demandes qui ne me convenaient pas. Parce que j'estimais que je voulais pas travailler sur des choses comme ça, des blagues de mauvais goût par exemple. Donc pour un giveaway c'est pareil, hein. Si j'estime que ça passe pas, ça passe pas. Et un nude, ça passe pas du tout, quoi.
Pas un instant. 2038 pour la troisième étoile, ouais, ça fait un peu loin. Non, le Brésil ne subit pas cette malédiction, bah si, et maintenant il va la subir. Hein. Maintenant c'est tout le monde de l'aura. Franchement, si cette équipe l'année prochaine, si cette équipe dans 4 ans, elle sort pas des poules. Bon, on aura peut-être un nouveau gardien. On n'aura plus Rami. On n'aura plus le chauffeur de banc Rami, puisqu'il arrête sa carrière internationale. Mais il reste à l'OM là. On a une équipe jeune. Coucou à toi Milnes. Ça sera sensiblement la même à l'Euro et au prochain mondial. Ah oui, oui, moi je pense pareil. Ça va être intéressant dans 4 ans avec des joueurs comme Mbappé ou Pavard. Complètement. Complètement. Encore plus expérimenté et mature. Pavard. Oh, après, il y a des joueurs comme. Bref. On ne peut pas lui enlever à Griezmann quand même qu'il a rendu la France très forte sur les coups de pied arrêtés. Alors qu'on l'attendait pas là du tout, qu'on l'attendait pas du tout là-dessus. Et on a des attaquants qui défendaient. Qui faisaient pas leur star. C'est bien. Bon, on a eu un des pires failles. Pas sûr que ce soit le pire. Hein. Enfin, il est pas mal quand même. Mais il y en a eu deux comme ça en Coupe du Monde. Sur cette Coupe du Monde. Il y a deux gardiens qui se courent après là pour les fails. Sauf que bon, il y en a un au final, il est champion du monde. Donc ça peut se pardonner. Et elle a un problème avec les doigts. Hein. Hop, je répare. Hein. Je peux pas lui garder ça. Hein. Merci pour le follow Sibou, merci pour le host Sibou. Et je vous rappelle, j'en profite, il y a Sibou, alors je fais comme si je l'avais déjà dit 10 fois pendant le stream. Alors comme je vous répète toutes les 10 minutes, depuis maintenant 1h30, hein, non c'est la première fois que je le dis, mais c'est pour ça que j'ai fait l'encart en haut à droite, comme ça j'ai pas, si j'oublie c'est pas grave. Non on en a parlé en plus avec Adair Hunter. Donc n'oubliez pas, samedi à 18h, on se retrouve sur la chaîne de Sibou. Donc comme elle est là, vous avez déjà l'adresse de la chaîne, là, Sibou_JSCV. Donc vous avez aucune excuse pour ne pas savoir comment ça s'écrit. En plus que c'est écrit en haut à droite. Donc je vous invite à follow la chaîne pour ne pas rater le début du stream samedi. Car Sibou sera chez moi et on va faire donc... bien 5 heures d'interview suivi de a priori un semi-marathon, donc 12 heures de gaming. C'est ce qui est prévu, je crois. Non, je plaisante. J'ai fait peur à côté de moi. Non, c'était pour faire peur à Sibou. J'ai juste vu que tu étais en live et comme d'habitude, je peux pas te faire de host quand en live, pas tout à fait en même temps. Oui, j'ai vu que tu avais lancé. Ah, c'est 12 heures d'interview, mince. Bon, c'est pas grave, hein, je peux parler moi pendant 12 heures. Parce que comme tout le monde le sait, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc au bout d'une heure, je boucle. Comme je me fais troll, ban. Ben merci beaucoup pour le host encore, merci d'être passé et on se revoit ben peut-être samedi ou peut-être après. Ah ben non, samedi, obligatoirement. On se reverra, on se voit avant pour organiser tout ça en tout cas. Pour organiser la rencontre. Voilà.
faudra compter les en fait sur la durée de l'interview. Oh, ça serait tellement... Il faudrait même faire un concours. Il faudrait un officiel qui compte les en fait tout le long du stream. Et on fait un concours et au début, tout le monde parie combien de fois on va le dire. Hello, Captain Dreamer. Ça marche si vous, merci. Oh, excellent Pouix. Ah ben voilà, Sibou. En tout cas, tu me demandes. Ben je te répondrai pour les modos. Mais voilà, tu as Derwen qui sera là, pas tout à fait au début, et tu as Pouix qui sera donc là aussi. Je demande un compteur de en fait sur le stream. Ah ouais, mais non, on pourra pas tenir. On aura. Ou alors, faut que ce soit un modo qui le gère. Ouais, on va réfléchir, c'est jouable aussi, un compteur, mais pff, on verra, mauvaise idée. Alors du coup j'ai pas demandé, qu'en est-il de l'enquête? As-tu trouvé les coupables? L'enquête sur le chien, sur Eros? Naoshi? Où on en est là? 32 minutes, et oh, et oh, et oh, et oh. Et j'ai un dessin moi à faire là. Arrêtez de me faire parler là. Franchement, on est bien. On est bien dans les temps. Hein. Mais... On était à la recherche de moi. Oui, j'ai vu qui était moi et qui était toi. Je sais qui était toi. Il n'est pas là ce soir. Et moi, j'ai oublié qui c'était. Moi... Attendez, hop, je vais le rouvrir. Mais toi, oui, je sais qui c'était. Il était sur le stream, en effet. Il avait follow quelques peu de temps avant, quoi. Donc je l'en remercie encore plus, quoi. Enfin, je le remercie. C'était quand le... Hop, c'était ici. Ah ouais, mais je peux pas dire son prénom. Mais son prénom commence par un D, voilà. Et le lui, le moi commençait par un D et le lui commençait par un M. Voilà tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux vous dire. Bon, les yeux, ouais, les yeux, ça va aller. Je vais un peu me concentrer sur le dessin pendant quelques minutes. Sinon, j'aurai pas le temps après pour mettre le nom. Et je vais me faire crier. Quoi. On va m'engueuler. Bon voilà, par contre, c'est ce que je disais, quoi, hein, que ce soit... quand je suis en stream comme ça, si... Je vais passer combien de temps à dessiner sur mes commandes? Très peu. Donc autant faire du giveaway comme ça, c'est plus sympa. Alors, je vais t'aider, le monsieur M, c'était moi. Les gens n'utilisent pas forcément leur nom, prénom comme pseudo. Ah ben, je te remercie, monsieur M. Et je voulais pas, je veux pas, je ne dis pas les noms... Ah mais je croyais que c'était... Ah ouais, non, donc c'était pas toi, ouais. Donc toi, c'est toi. Et toi, c'était pas lui. Mais lui, c'était toi. Enfin, tu m'as compris, quoi. Lui, c'était toi, mais lui... Que je pensais que c'était lui, c'était pas toi. Mais le pire, c'est que je me comprends, quoi. C'est hyper clair, ce que je dis. Ça craint. Voilà, c'est mieux que la poule et l'œuf. Si vous vouliez me déconcentrer, c'était me reparler de moi et de lui de la dernière fois. Voilà, l'important c'est que nous aimons. Ouais, dialogue de sourds, mais en général les dialogues de sourds, c'est des dialogues, donc c'est entre deux personnes. Mais là moi je me fais un dialogue de sourds en mode monologue de sourds, quoi. C'est encore plus fort. Quand on me dit, bah, de toute façon,
quand je me parle à moi-même, il n'y a pas de modo, il n'y a pas de monologue. C'est forcément un dialogue vu que je suis pas seul dans ma tête. Ah, ça dessine pas beaucoup, mais alors pour dire des bêtises. En plus, j'ai oublié la couleur des cheveux sur le qu'on avait convenu. C'est les cheveux roux et les yeux. On fait les yeux de quelle couleur aussi, tiens. Alors, je vais faire juste les yeux rouges le temps qu'on décide la couleur des yeux. Alors, les cheveux roux. J'ai débordé. Ah, zut. On lui coupe un doigt. Ah, il a redébordé, quoi. Bleu, vert océan, nuance de gris violet. Waouh. Mais c'est jouable. Ah oui, bien vu Lilia. Bien vu Adé. Bon, on sait que c'est faux, mais c'est rigolo. Avec la couleur des yeux. Je suis pas sorti de la berge. Ah ben oui, hein. C'est pas Kit Harington qui va dire le contraire, hein. Alors les yeux, on va s'y prendre, hop, comme ça. bleu, vert, océan, nuance de gris violet. Alors, on va déjà commencer avec un bleu, vert, océan. Bleu, vert, océan, nuance, gris, violet. Non, c'est bon ça. Bon, c'est la nuance gris, violet qui est pas facile. Hein. Surtout que je fais beaucoup de noir aux yeux. Donc il va plus rester beaucoup de couleurs après. Vous allez voir ça quand même. Alors, petite astuce. Petite astuce quand je fais les yeux. Je fais les yeux en mode escroc. Donc toujours hein, l'ombre en haut, voilà. Parce que c'est... Sinon ça fait un regard de psychopathe s'il n'y a pas ça. Donc pourquoi je dis escroc? Je dis escroc parce que je rajoute toujours, comme ça se fait beaucoup, hein, de rajouter un reflet dans les yeux. Ben, il faut savoir que les yeux, quand les pupilles, elles sont pas bien centrées, que des fois il y en a une un peu plus grosse que l'autre. Si on fait juste les pupilles comme ça se voit cache. Par contre,
à partir du moment où on fait les petits reflets, ça diminue les défauts. Visuellement, ça diminue énormément les défauts. Donc c'est la petite astuce d'escroc dessinateur. Alors j'ai raté une phrase, je remonte. Les tablettes avec écran, ça m'a l'air tellement plus pratique que ma vieille tablette de 20 cm sans écran. C'est un confort différent, ça a des avantages et des inconvénients. C'est une bonne remarque, Rouge. Le problème, c'est que voilà, c'est 20 cm et petit. Attention, je parle de tablette. Derwent, s'il te plaît, je sais que tu me démarres au quart de tour. Il part. Là, le stream est en train de nous échapper. Là. Donc, une tablette de 20 cm, c'est un peu petit. Allez, clipper. Hein. Faut clipper. Là, par exemple, faut clipper quand même. Faut clipper, détourner, sortir du contexte, forcément. Donc, une tablette comme ça, ça peut être petit. Mais le fait que ce soit pas une tablette avec écran, c'est pas gênant. Et en plus, ça a un avantage, c'est que quelqu'un qui dessine sur une tablette comme ça n'aura aucune difficulté à passer de la tablette au papier, du papier à la tablette. Alors que pour quelqu'un qui travaille sur un écran, comme je fais, revenir sur du papier, ça demande de reprendre un peu quelques habitudes qu'on perd. Donc voilà, c'est pour ça il y a beaucoup de professionnels qui... Enfin, il y a des professionnels, beaucoup je peux pas dire, je connais pas les chiffres, mais je connais des professionnels qui préfèrent travailler sur des tablettes sans écran. Et pas pour des raisons, c'est plus cher, c'est moins cher, non. Voilà. Tu vas jamais réussir à sortir cette phrase. Ah non, mais c'est fini, quoi. J'essaye plus. Hein. J'essaye plus. Non, mais on parlait de tablette. Ça m'a échappé, là. Là, on est pas... J'ai perdu les rênes du stream. Voilà. D'ailleurs, on va arrêter là. Non, c'est pas possible. Non. Voilà, faut rester impassible avec le sourire léger comme notre Mona Lisa Valkins. Combien de temps? 20 minutes. Il me faut 10 minutes pour le texte. On va commencer à être limite quand même. Disons que là, j'ai plus le droit de partir en délire. Là. Ah ouais, c'est un exercice quand même pas évident. Tu liras TMP? Oui, dans 20 minutes, je regarde ça. Merci beaucoup, Pouix. Je regarde ça. Ouais, c'est... Une heure, c'est pas beaucoup, quoi. Salut Strisix! Oh, j'arrive à dire ton pseudo du premier coup à chaque fois, maintenant. C'est lamentable. Faut que je m'entraîne à le dire mal. Je faillis à ma réputation, là. Magnifique, merci. Ouais, je me suis entraîné tous les soirs. Hein. Strisix. Je disais à peu près un millier de fois. Par contre, je me suis pas amusé à dire le ST avant. Parce que si c'est Saint Strisix, là ça commence à devenir difficile.
Excellent, Valkins, excellent. Pour qui les emotes? Ben, l'emote là qui est en cours, il a été gagné sur le giveaway de ce soir. Donc c'est. Mince, Isa Tank. J'ai eu un trou là. Heureusement que c'est pas Citrix qui a gagné, hein, sinon j'aurais du mal à dire le nom à chaque fois. C'est Isa Tank qui a gagné le giveaway tout à l'heure. Et c'est quelque chose que je vais renouveler potentiellement à chaque stream. De caler une heure et pendant une heure je fais le dessin qui a été gagné en direct, quoi que ce soit. La personne me dit ce qu'elle veut et. Ah, excellent, j'adore Valkins. Et voilà, on l'a dit, elle a raison, elle a raison. Ah, j'y donne complètement raison. Ouais, hop. Non, mais c'est que là, le temps, là, on est presque à la fin. On a du texte à rajouter après, oh. Pas l'oublier, hein. Bon, et je dois vous avouer une chose quand même. C'est que faire quelque chose comme ça, c'est amusant. Voilà. Donc je m'amuse aussi. Parce que bon, stream les commandes, c'est vrai que c'est bien. Je m'amuse toujours quand je dessine. Des fois, c'est pas forcément amusant pour vous. Et des fois, c'est pas forcément amusant pour moi non plus. Mais là, faire le coup avec le compte à rebours derrière, c'est quand même rigolo. Mais c'est tellement limite, quoi, une heure. Parce que là, c'est pas le. Si quelqu'un demande quelque chose de super complexe, obligé de limiter les détails. Alors, c'est quand le prochain giveaway? Ben non, en mercredi, sur le prochain stream. Si tu réussis pas le délai de 1 heure, tu fais un twerk. Non, mes modos font un twerk. Mais comme vous n'avez pas la webcam, vous pouvez dire que vous l'avez fait sans le faire. Hein. bien, on est pas mal, hein. On n'a plus qu'à faire les ombres. Pas autant marqué. C'est à quelle heure le giveaway? Bah ça par contre c'est pas, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de règles. C'est quand le stream a commencé, quand le stream commence, je le lancerai. Et en général, ça sera une demi-heure à 1 heure après le début.
mais pas plus tard, parce qu'après il me faut encore une heure pour dessiner. Donc voilà, au bout d'une demi-heure, une heure après le début du stream, je lance. Comme j'ai fait aujourd'hui en gros. Après voilà, ce soir c'est un test, voir si ça se passe bien, si c'est réalisable. Il y a des petits trucs encore que j'ajusterai. Mais a priori ça devrait bien marcher. Quoi. Alors tu streams à quelle heure en général? 22h ou 23h? Ben merci Adé. Voilà. Il reste 12 minutes. Youh! À finir sur le fil. Did you celebrate the world champion public viewing? No. It was a private viewing because I've worked yesterday all day long, so I have no choice. Donc j'allais faire. C'est ça le pire, c'est quand j'oublie ce que j'allais faire et que je sais que j'ai un truc à faire, mais je sais plus quoi. Tu as une couleur de préférence pour le texte, Isa? Et salut Ben! L'autre Ben! Non. Alors, on va choisir quelque chose un peu dans... On est en orange. Ah, le bleu océan, c'était bien pour les yeux. On va faire un rappel des yeux, quoi. Peut-être. Ou rose. Mais un rappel des yeux, c'est bien. Ouais, 9 minutes, on sait jamais, hein. Je peux encore fail là. Tu sais, le cerveau il bug. Je reste 9 minutes à réfléchir. Mais... Ah,
à Didier Deschamps. La main en bas est coupée, oui, parce que le... elle n'est pas coupée, c'est juste que le... c'est juste que le dessin est plus petit, quoi. Oh, mince! Hein? Elle n'est pas coupée, elle dépasse. Qu'est-ce qui reste? Ouais, je peux la rallonger. Je vais la rallonger. Ah, donc, je peux encore ne pas finir. Attends. Attention. Si c'est pas fini à temps, ce n'est pas livré. Attention, c'est important. Ok. Voilà, la main est découpée. Et découpée. Et plus coupée. Allez, hop, on fait nos exports en mode emote. Le 28. Le 56. On dirait que j'annonce le chiffre du loto. Faudrait que je les joue ça au loto. Le 28. Le 56. Le 112. Ah ouais, non. Là, ça marche plus. Là. Elle est géniale, ma playlist. Hein, avec les... Je crois que ce morceau, ça fait quand même 3 fois qu'il y est. Pourquoi le bras droit est plus court que le gauche? C'est la perspective. C'est la perspective de l'emote. Il y a des... Je vais te ban. Et le numéro complémentaire, le 300 DPI. Alors, je coupe la caméra. Je vais faire... Hop. Je vais balancer sur... Le FTP, comme ça, pas besoin que tu me fournisses d'adresse, mail ou quoi que ce soit. Je t'envoie directement le fichier zippé. Je prépare ça. Alors... emote. Hop, livraison. Isatank. Et après je vais regarder les MP de Pouix et de Razi. Oh, GG Pouix. Oh, GG Razi. Ah, double GG Razi. C'est un plus gros GG que pour Pouix. Alors, Isa, hop, envoyez un chuchotis. Ah mince, je peux pas chuchoter là. Je m'ouvre le...
Oh, le fail. Alors, hop. Que je fasse pas de bêtises. Alors, il faut attendre combien de temps avant que Isatank puisse spam son emote? Bah, je crois que Isa va l'utiliser pas forcément en emote, donc je peux pas dire. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je t'ai envoyé en privé le lien, ils attendent que tu me dis si tu as tout bien reçu. Alors, pour mettre un emote sur Twitch, il y a une doc que je peux te retrouver. Emote affilié Twitch. Alors, pour ça, ils ont bien fait. Hop. Je sais que je sors souvent l'adresse parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Non, ça c'est l'aide pour. Oui, il faut être affilié. Mais voilà, elle peut aussi l'utiliser. Elle peut... Le 112-112, il passe très bien. Enfin, il passe très bien. En 300-300, il serait mieux, mais en 112, il passe aussi. Il y en a qui l'utilisent en image de profil sur Twitch. Ah, Pouix. Je te. Excellent. Donc, elle a compris. Ah, tiens, il y a mon Mario qui éclaire. J'ai refait la déco avec le petit Mario où il s'éteint. C'est dommage, je clignoterais, ce serait plus rigolo. Il clignote pas. J'ai cramé les piles en une soirée. Voilà. Et il nous reste 1 minute 45, donc je laisse le compteur. Non, je vais le couper. Hop. Voilà. Bon, mission accomplie. Ça va, pour cette première fois, je pense que je vais peut-être rester sur l'idée de. Je récupère les informations. Une fois les informations récupérées, je lance le compteur. Parce que si j'inclus la récupération des informations dans le temps de dessin, ça va faire trop court. Donc je pense qu'on va on va le faire comme ça. Donc, est-ce qu'un simple viewer peut avoir une emote sans stream? Non. Non, pour ça, il faut être affilié. Donc, il faut avoir stream minimum pendant un an, avoir 5 followers. Non, avoir 30 followers, je crois. 25 ou 30 followers. Et avoir fait des follows. Et avoir. Ah, je sais plus. Mais il y a des. Alors, FFZ, c'est FrankerFaceZ, voilà, merci. C'est un plugin pour pouvoir utiliser des emotes, mais il n'y a que ceux qui utilisent aussi ce plugin qui peuvent voir 50 follow. Voilà, ben 50 follow, et je crois que c'est 3 viewers de moyenne pendant un mois. Donc, 3 viewers de moyenne, ça va, il suffit de connaître 2 personnes et ça passe. Voilà. 50 followers, streamer 7 jours différents en un mois et une moyenne de 3 viewers. Donc c'est très accessible. Donc si on gagne, on peut pas utiliser les emotes. Bah oui, on peut les utiliser en tant que. Là par exemple, Mata, tu n'as pas de photo de profil sur ton Twitch. Tu as la petite bébête orange par défaut que tu as eu quand ton compte a été créé. C'est random, c'est les avatars random de Twitch. Bah, par exemple, tu peux utiliser pour le mettre en photo de profil. Pour plus avoir la petite bébête orange. Salut Zerk officiel, bienvenue à toi. Et un gros merci à SpyOne pour le cheers de tout à l'heure, comme j'étais. Bonjour la caméra. Comme j'étais. Je me suis envoyé l'autre caméra dans la tête. J'étais occupé sur la fin du dessin, donc je ne vais pas remercier. Merci beaucoup pour le cheers.
Salut à toi, Gwendoline. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Je vais juste vérifier. J'ai des nouveaux messages. Ça, c'est une réponse. Ça, c'est une réponse. Et ça, c'est une nouvelle commande. Ça va, c'est soirée un peu calme. Tant mieux. Donc, ça, c'est à livrer. Et ça, une série de trois emotes. Il est quelle heure? Ah, mais il est minuit. Ah, ben, c'est déjà la fin du stream, en fait. J'avais pas vu l'heure. Ben, donc, on va en rester là, en fait. Donc, oh, ouais, au côté. Côté timing, ça le fait. Ça le fait. Bon. Valkins. Ben, merci beaucoup, Valkins. Félicitations, number one du mois. Je te remercie. Ben, ça va très bien, Gwendoline. Là, on vient de. On arrive à la fin du stream. Donc, ce soir, c'était un stream particulier. C'était un test. Et c'est quelque chose que je vais finalement donc renouveler, probablement systématiquement. L'idée, donc, c'était de faire un giveaway en début de stream. Et puis de consacrer la suite du stream à réaliser le dessin. J'ai pas vu la réponse d'ailleurs de Isatank. Je remonte le chat. J'ai pas vu si Isatank avait tout reçu. Je crois pas que Isa a répondu là. Par contre, elle a probablement répondu. Yes. Super, en privé. C'est bon, c'est tout reçu, c'est parfait. Donc voilà, l'idée c'était de réaliser le dessin lors du stream et on va renouveler ça, je pense, à chaque stream. Donc la prochaine fois, ce sera mercredi. C'est trop tôt pour finir. Oui, mais c'est parce que après j'ai mal à l'épaule et je fais des tendinites. Donc voilà, je tiens à tous vous remercier. Je vous remercie pour les follow, les différentes cheers qu'il y a eu encore ce soir. Et on se donne rendez-vous donc mercredi soir, peut-être un tout petit peu plus tard, vers 23h, c'est parfait. Et on fera exactement la même chose. C'est, on lancera un petit giveaway en début de stream et on se donnera 1 heure top chrono pour travailler sur l'emote et le réaliser en direct. Merci beaucoup Reddington. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. N'oubliez pas, champion du monde.